15 ans, c'était pas mal la mode, 15-20 ans même maintenant. Et en fait, je vous avoue que à l'époque, ça m'arrivait de temps en temps d'en faire. Et là, j'en ai refait un pendant mes vacances en juillet parce qu'il y en avait dans le catalogue de, comment dire, de tourisme de la presqu'île du Cap Ferret. Et il y en avait 4, j'en ai fait un. Et j'ai recopié les 3 autres pour les faire avec vous. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa à faire ensemble. Et m'écouter faire des chuchotements et essayer de les résoudre. Alors, je suis pas très forte. Et là, c'est des niveaux moyens. Donc, je me demande s'il faudra pas, il me faudra pas plusieurs vidéos pour faire ça. Normalement, j'aurais déjà posté des vidéos Sudoku niveau facile. Je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers les dites vidéos si elles existent. Et sinon, je vous mettrai aussi le lien vers le reste de ma playlist écriture, coloriage et peinture, dessin, puisque je pense que je rangerai ça là-dedans. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette introduction. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, ce carré m'inspire bien. Donc, je vais commencer par celui-là. Le 1 est déjà dans ce carré. Le 2 est déjà dans ce carré. Et donc, il me faut maintenant un 3. Ici, il y a un 3 dans cette ligne. Donc, cette case-là et cette case-là ne peuvent pas contenir de 3. Il y a un 3 ici. Donc, cette case-là ne peuvent pas. Puisque, comme je dis, il y a une seule fois le chiffre par ligne. Donc là et là. Il y a un 3 ici. Donc cette ligne-là ne peut pas contenir de 3. Donc il me reste en fait uniquement cette case-ci qui peut contenir un 3. Et comme je suis sûre que le chiffre est là, je vais le noter en gros dans la case. Donc 3. Ensuite, il me faut un 4. Alors, 4 ne peut pas être ici. Mais 4 peut être là. 4 peut être là. Donc là, je ne sais pas dans laquelle des cases il est. Donc je vais l'écrire en petit, voyez, en haut de la case, pour savoir dans ma tête que toutes ces cases-là peuvent contenir un 4. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Ensuite, il me faut un 5. 5, voyez, il y en a dans aucune ligne là et dans aucune ligne là. Donc le 5 peut être dans n'importe laquelle des cases ici. Ok. Donc là, je sais que je ne peux pas écrire pour l'instant le chiffre 4 ou 5 parce que, eh bien, les deux sont possibles. Par contre, si à l'issue de mes réflexions, il n'y a que le 5 que j'ai écrit en petit là, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut être là. Donc, je pourrais effacer et mettre un grand 5. Voilà pour l'explication. Donc, 5, 6, c'est bon. 7, c'est bon. Il me reste 8. 8, il y en a un ici, donc il ne peut pas être là. Par contre, là, il n'y en a pas dans cette ligne, ni dans celle-là, ni dans celle-là. Donc, le 8 peut être ici ou ici. Et il me reste 9. 9, il n'y en a pas ici, ni là. Par contre, il y en a un ici. Donc, ces deux cases-là ne peuvent pas avoir un 9. Celle-là, par contre, peut en avoir un. Et celle-là aussi. Donc là, encore une fois, j'ai deux chiffres possibles. Je ne peux en mettre aucun. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On va essayer cette ligne-là, tiens. 1, 2. Alors, 2, il pourrait être au niveau de la ligne là, en théorie. Mais il y a déjà un 2 dans ce carré-là. Donc, je ne peux pas le mettre. Donc, ça veut dire que le 2 peut être soit là, soit donc, là. En théorie, là ou là. Mais là, vous voyez, il y a déjà un 2 dans cette ligne-là. Donc, cette ligne-là se fait éliminer aussi. Donc, il ne me reste plus que cette case-là pour le 2. Que je peux donc écrire en gros. Désolée, Payette fait plein de bêtises, donc je suis obligée de couper. J'ai dit 1, 2, 3, 4. Alors, 4, il n'y en a pas dans ce carré-là. Il n'y en a pas dans ce carré-là. Ici, il n'y en a pas. Ici.
je vais chercher à placer tout le temps. Parce que voyez, on les avait déjà mis là. 4, ok. 5. 5, il peut pas être là, il y en a déjà. Il peut être là. Parce que il y en a pas dans ce carré et il y en a pas dans cette ligne. Il peut pas être là, vu qu'il y en a déjà un là. Et il peut être là, vu que c'est 5, 6, ok. 7. Alors, 7, il n'y en a pas dans ce carré-là, il n'y en a pas dans cette ligne-là. Il peut être là. 7, il y en a déjà un là, donc voilà. 7, il n'y en a pas dans ce carré-là, par contre, il y en a un là. Il y en a déjà un dans ce carré-là. Donc je peux pas mettre là non. Là non plus. Dans cette case-là, vu qu'il est là. Donc ici. Et ici. J'ai un peu écrit trop grand. Et 9 est déjà là. Ok. Donc là, vous voyez que je suis un peu embêtée parce que, bah, encore une fois, j'ai des cases avec plein de possibilités. Mais au fur et à mesure qu'on va résoudre le sudoku, bah, les choses vont s'arranger. Ensuite, est-ce que je fais cette ligne-là, ou les deux carrés qui sont là? Je me sens inspirée par cette ligne-là, donc j'ai envie de faire ça. Alors, le 1, il peut pas être là. Il y a ça, par contre, il peut être là. Vu qu'il n'y en a pas dans ce carré, là, il y en a déjà un dans ce carré, donc ces deux cases-là dégagent. Et là, il n'y en a pas dans ce carré, et il n'y en a pas là. Donc il peut être là. 2, 3, 4. Il peut être là. Il peut être là. Il peut être là. 5. J'ai déjà rempli là. Ici, il ne peut pas être. Ici, il peut. 5. Et là, attendez. Oui, là, il ne peut pas. Mais il est encore possible là aussi. Donc je ne peux pas le mettre définitivement. Donc 5, 6, c'est bon. 7. Il y en a déjà un là. Il n'y en a pas ici. Donc 7. Ce crayon fait que de grincer. 7. Et 7. 8, c'est bon. 9. Il y en a déjà un dans ce carré là. Il est éliminé. Il y en a déjà un là. Il est éliminé. Donc il peut être... Attendez, le 9, il ne peut pas être là. C'est sûr. Là, il peut être. Ok, il ne peut pas être là, c'est sûr. Là non plus. Donc là. Je vais pouvoir gommer mes petits chiffres et mettre 9, puisque le 9 est forcément là, vu qu'il ne peut pas être ni dans ces cases-là, ni dans celle-là. Je vais donc essayer de gommer en tout petit le 9 que j'avais noté là, et je gagne ainsi une case. Ok. Alors, je vais finir ce carré-là. C'est mon genre. Donc on a dit il peut pas être là, il peut pas être là. Donc il peut être là par contre. Oui. Et là. Oui. Et là non. Ok. 2, c'est bon. 3, c'est bon. 4, il peut être partout comme d'habitude. Donc là je l'ai déjà noté. Et là je peux le rajouter aussi. 5, il peut pas être là. Ok, donc ces trois cases là sautent. Là, je l'ai noté. Là, je le rajoute. 6. Il ne peut pas être là. 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 Alors, attendez. Celle-là, elle saute à cause de lui. Celle-là, elle saute à cause de lui. Celle-là, elle reste possible. Celle-là, elle saute à cause de lui. Celle-là, elle saute à cause de lui. Donc là, je peux gommer et mettre un 6. Ok, 7. Donc là, non. Là, oui. Là, oui, là, oui, c'était déjà noté. 8, 9. Ok. Et toutes les cases contiennent plusieurs chiffres. Donc pour l'instant, je ne peux rien éliminer. Alors, je vais faire cette ligne-là parce que pour l'instant, je ne l'ai pas faite. Donc, 1. On a dit qu'il pouvait être là. Mais il peut aussi être là. Et là, ok. 3, 4, bon bah comme.
5, il peut être là. 5, il peut être là. Il peut pas être là, mais il peut être là. 6, il peut pas être là, puisqu'il y en a déjà un là. Il peut pas être là, parce qu'il y en a déjà un là. Ah bah oui, je suis fatiguée déjà. Non mais j'allais dire, il y a un problème. Bah non, c'est moi qui suis stupide. 6, 7, ok. 8, il peut pas être là vu qu'il y en a déjà un. Il peut être là, il peut être là, ok. Il peut être là, ok. Il peut pas être là, ok. 9, il peut pas être là vu qu'il y en a déjà un. Il peut pas être là vu qu'il y en a déjà un. Il peut pas être là vu qu'il y a lui. Il peut pas. Donc il est forcément là en bas.
Il peut pas être là, mais il peut être ici. 8. Il est noté 9. Déjà là. Déjà là. Déjà là. Donc 9 est forcément là-bas. Non, 9 il est là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Parce que là, s'il y a un 9 là, un 9 là et un 9 là, je ne peux pas. Oui, il y a deux 9 dans la même ligne. Laura, t'es complètement stupide ou quoi? J'en ai pas. Ici, j'en ai pas. Ici non plus. Donc, on peut mettre 5. 6, c'est bon. 7. Là, c'est pas possible à cause de lui. Là, c'est déjà noté. Là, c'est déjà noté. Là, il n'y en a pas. Et c'est possible ici. Et là, 8 et 9. Oh, ok. Bon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, ça m'a un peu grillé le cerveau. Semaine pour le continuer et
ça va dépendre de la vitesse à laquelle je fais les cases et le nombre d'erreurs que je fais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like si jamais c'est le cas. Je vous retrouve tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Donc j'espère pouvoir continuer à vous relaxer et vous divertir. Le seul jour où je poste pas sur cette chaîne, c'est le mercredi, puisque c'est le jour où je poste sur ma chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.